monde, alors maintenant j'ai un annoncement pour vous sur les poissons. Alors mes poissons sont maintenant finalement matures. La femelle ici et le mâle ici. Mes deux poissons sont matures, alors on devrait s'attendre à peut-être des œufs dans quelques temps ou un accouplement. Alors j'ai toujours ces petits points blancs, je me demande vraiment si ce sont des œufs de poisson-ange, mais je pense pas. Mais maintenant que mes poissons-anges sont matures, je vais peut-être avoir la chance d'avoir des bébés poissons-anges. Alors, j'aimerais vraiment avoir ça. Ça serait vraiment le fun. Mes poissons tétra, ben, je sais pas comment vraiment les accoupler. Je sais que j'ai deux femelles puis trois mâles. Le bleu, vert, orange sont des mâles. Rouge et le rose qui est là-bas, eux sont des femelles. Alors, ça tombe bien, mais j'ai choisi des couleurs pour les femelles et pour les mâles. Le poisson rouge, je sais que c'est une femelle. Puis, ça, c'est le mâle poisson-ange. Et la femelle poisson-ange est là. Alors, j'ai un peu de tout dans mon aquarium. Puis, ici, pour les goupilles que vous voyez ici, j'ai seulement des mâles. Quatre mâles qui sont très actifs. Alors, c'est tout pour ce petit annoncement sur la maturité de mes poissons.